prison d'âge dernièrement, le bishop Abam Chibundu vient à Kinshasa pour nous bénir. L'envoyé du Seigneur a été reçu ce samedi par le président de la fondation Olangi Wosho à la Maison d'Alliance. Papa Alain Gabriel Olangi qu'entourait plusieurs responsables du ministère chrétien du combat spirituel. À la veille de chaque rentrée scolaire, à la jeunesse chrétienne combattante, nous avons l'habitude d'organiser une retraite de prière. Elle vise à recommander l'année scolaire entre les mains du Tout-Puissant. C'est justement ce qui s'est passé à la Nova Jérusalem, à Luanda, en Angola. Après avoir fêté ses 70 ans d'âge dernièrement, le bishop Abraham Chibundu vient à Kinshasa pour nous bénir. L'envoyé du Seigneur a été reçu ce samedi soir par le président de la fondation Olangi Wosho à la Maison d'Alliance. Papa Alain Gabriel Olangi qu'entourait plusieurs responsables du ministère chrétien du combat spirituel. Viens, Seigneur, de manifester ta bonté envers nous. Tu viens de manifester ton amour envers nous en nous envoyant ton serviteur, en nous envoyant celui-là que tu as choisi, en nous envoyant celui-là qui, le premier au cours d'une conférence, a accepté le message que Dieu a donné à notre chère maman d'heureuse mémoire. La joie était immense de recevoir l'instrument par qui le Seigneur nous visite énormément toutes les fois qu'il vient à Kinshasa. Sa présence est en un point douté le témoignage de sa fidélité, de sa loyauté au Dieu de papa et maman Olangi. L'homme de 70 ans a été célébré par ses frères et sœurs réunis à la Maison d'Alliance. Pendant une vingtaine d'années, Bishop Abraham Chibundu a travaillé avec papa et maman Olangi. Au départ du couple visionnaire dans la félicité, il a mis le curseur sur la continuité de l'œuvre de la vision laissée par nos parents. C'est dans ce sens qu'il essaie de comprendre sa venue à Kinshasa. Elle vise avant tout à soutenir et à accompagner les efforts du leadership incarné par papa Alain Gabriel Olangi pour continuer cette œuvre et la pérenniser de génération en génération conformément à la dernière volonté de papa et maman Olangi. C'est une semaine immensément bénie qui commence à la Cité des Triomphes. Comme toujours, le Seigneur Jésus sera là pour nous faire davantage du bien. Que chacun prenne rendez-vous avec sa part. À la veille de chaque rentrée scolaire, à la jeunesse chrétienne combattante, nous avons l'habitude d'organiser une retraite de prière. Elle vise, vous l'avez compris, à recommander l'année scolaire entre les mains du Tout-Puissant. C'est justement ce qui s'est passé fin août dernier à la Nova Jérusalem, le siège national de Mela de la Fondation Olangi Wosho à Luanda en Angola. Toute la JCC de la capitale angolaise était réunie pour prier intensément, mais aussi pour écouter Dieu à travers ses disciples. Parmi eux, le frère Paolo Alvaro, président national de la JCC, il a abordé le thème « Avec Dieu, nous ferons des exploits ». Psaume 60, 14. Les exploits arrivent lorsque nous cherchons le Seigneur en profondeur. Cela demande de la confiance en Dieu et une vie de sanctification. Dans ce processus, a expliqué l'intervenant, le JCC ne doit pas perdre de vue la réalité des origines de condamnation et de malédiction. Il faut les combattre de la discrétion et avec patience. Secret,
L'année scolaire 2024-2025, chaque jeune chrétien combattant doit se distinguer et il faut de la concentration et de la discipline. Les conducteurs de prière ont dirigé les participants dans le sens de déprogrammer tous les plans d'échec, de déperdition scolaire, de maladie ou de mort mis en place contre eux par le diable et ses suppôts. En séjour missionnaire dernièrement au siège de la fondation Olangi Wosho de Bukavu de la province du Sud Kivu en RDC, dans le cadre du programme des 14 jours d'approfondissement de la délivrance, le disciple de Jésus, Papa David Wasika, a bénéficié du dévolu de Dieu pour parler à son peuple venu l'adorer. Dans son exhortation témoignage, le disciple Wasika, encadreur à la quarantaine et ouvrier du Seigneur à la radio CVV, a expliqué que le temps de Dieu est le meilleur. Ce temps est celui au cours duquel Dieu se présente à nous et dit « Me voici ». Depuis 1996, il criait au Seigneur et c'est seulement en 2021 qu'il a vu Dieu lui répondre. À plus de 65 ans, il a trouvé du travail et sa situation sociale s'est améliorée. C'est tout simplement parce que nous ignorons Jésus-Christ que nous avons reçu comme Seigneur et Sauveur. Et toujours à côté de nous. Il dit, me voici. Mais nous sommes distraits. Ce qui nous distrait, ce sont des réclamations, des poursuites, d'où de la sorcellerie. Il suffit tout simplement de reconnaître. Il avait dit tout la délivrance. Et tout va se développer. Nos origines de malédiction et la vie de péché en sont pour beaucoup de la persistance de nos maux et maladies. Le disciple David Wasika a convié ses frères et sœurs de Bukavu à une vie permanente de repentance à l'image du roi David, l'homme selon le cœur des dieux. La repentance, en effet, balise la voie à la manifestation du me voici divin. Que Dieu vous bénisse. Au nombre des sièges du ministère chrétien du combat spirituel de la fondation Olangi Wosho qui ont organisé dernièrement le programme des 14 jours d'approfondissement de la délivrance figure celui des Kolwezi de la province de Lualaba en RDC. C'est depuis une dizaine d'années que ce siège, le deuxième de la fondation en termes de vitalité dans le Grand Katanga après Lubumbashi, attendait ce programme qui fait passer les mamans de M13 au M14, les papas de P13 au P14 et les jeunes de J33 au J34. Ce, dans le cadre du premier cycle de formation ou encore le cycle de base de la formation des disciples et messagères de Jésus. Pendant 2 semaines, une centaine de frères et sœurs de Kolwezi a campé de la présence du Seigneur autour de l'équipe des missionnaires itinérants envoyés depuis Kinshasa, la source. L'équipe était conduite par le disciple de Jésus, Papa Denis Miwidi. La cure d'âme et la délivrance ont été sanctionnées par la prière de l'effusion du Saint-Esprit afin de ne pas laisser la maison vide, empêchant ainsi le retour en force des esprits délogés. Une immense joie a régné à la clôture de ces 14 jours d'approfondissement de la délivrance. C'est véritablement un peuple affranchi des jours des ténèbres qui a loué son Dieu. «
dimanche à l'adoration, l'heure était aussi à la célébration de la victoire et de la délivrance obtenue. Beaucoup de frères et sœurs étaient habillés en uniforme de la CFMC pour glorifier le Seigneur qui leur a fait tant de bien pendant ces 14 jours. Une joie qui précède la cérémonie d'alliance avec Jésus qui aura lieu incessamment. Au cours de ce culte, le chef des missions, le disciple de Jésus, Papa Florent Pia, a, au nom de tout le siège de Colouésy, rendu un hommage appuyé à ses collègues missionnaires venus de Kinshasa pour animer ces 14 jours. C'était avant d'accorder la parole au disciple de Jésus, Papa Denis Miwidikou, pour délivrer le message du jour axé sur le thème « L'Éternel dit, me voici ». À la résidence des missionnaires, les chrétiens combattants de Colouésy s'étaient retrouvés après l'adoration pour partager un repas. Et comme toujours, le partage a eu lieu dans une ambiance bon enfant. Après les 14 jours d'approfondissement tenus en mi-août dernier à Mbandaka, le premier siège de la Fondation Olangi Wosho dans le Grand Équateur vient d'organiser une autre retraite de prière. Celle-ci a concerné près de 200 mamans, papas et jeunes dans le cadre de 7 jours d'affranchissement. Ce programme sanctionne le premier séminaire de formation du premier cycle ou le cycle de base. Étaient également associés à ce 7 jours les mamans de M12, les papas de P12 et les jeunes de J32. À la fin, les participants ont reçu la prière d'effusion du Saint-Esprit sur imposition de main du chef de mission, Papa Henri Moudimbié. Le dimanche 8 septembre dernier, tous les participants à ce 7 jours ont été présentés à la communauté. Une prière de recommandation entre les mains de l'Éternel a été dite sur eux par la messagère de Jésus, Maman Elisabeth Echoko Tabita. Sachez enfin que le message du jour a été donné par le disciple de Jésus, Papa Mambote, chef des missions au siège de Boende, qui était à Mbandaka pour prêter main forte à ses collègues missionnaires. Le message a porté sur la question « Où es-tu ?» L'Éternel vient au rendez-vous pour nous bénir, mais il constate que nous sommes loin de sa face comme Adam et Ève après avoir péché dans le jardin d'Éden. Revenons à Dieu de tout notre cœur et il accomplira son plan de bonheur sur chacun de nous.